Ouais, allô, Claude-Joseph? Ouais, salut, Camille Desmoulins, là, pareil. Tu vas comment? Ouais, super, super. On a reçu ton texte, là. Super, super, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait se prévoir un petit temps? Ouais, un temps, ouais. Bah, avec Caro de la prod pour faire un point. Tu m'entends, Claude-Joseph? Ouais. Un temps pour faire un point? Bah, le plus tôt serait mieux, hein, évidemment. On a une grosse demande, là, pour l'hymne de l'été. Ah, t'es sur Marseille? Ah ouais, bah, alors là, pour venir à Bastille, ouais, je comprends, ouais. Et bah, tu sais quoi? Attends, je te mets en visio. Je suis avec Maximilien, là. Bah bien sûr, Maximilien Robespierre, quoi. Who else? Ouais, on a quelques remarques à te faire, tant qu'on te tient. Hein. Ouais. Coucou, Claude-Joseph. Ok, alors on y va. Bah sans attendre Caro. Hein. Ouais, bah super, super. Alors d'abord, Claude-Joseph, sur l'ensemble, on voulait te dire qu'on adore. On adore vraiment, on trouve qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Ouais, ça pétille. Voilà, tout à fait, ça pétille complètement. Et puis au niveau du texte, super, vraiment, ce truc avec le sang impur, les égorgements, l'étendard sanglant, tout ça, c'est vraiment totalement snuff. Ça surfe littéralement sur le snuff. On adore, hein, Maximilien. D'ailleurs, on se disait, oui, tout à fait, on adore, hein, on adore. On se disait, tu pourrais peut-être en rajouter une couche. Non, parce que bon, ok, on va encore me reprocher de faire mon Robespierre. Hein. Mais dans le contexte actuel, je trouve que c'est limite, en fait, trop peu snuff, tu vois. Les citoyens, ils veulent quoi? Ils veulent du gore, tu vois. Le gore, c'est cathartique. Ça fait du bien, hein. C'est le gore qui fait mouiller la citoyenne. Bon, voilà. Maximilien, comme tu vas, là. On est entre nous, là, Camille. Ouais. Hein, on peut dire les choses, hein. On parle en confiance, Camille. Bon, qu'est-ce qu'elle fout, Caro? Bon, j'aurais bien voulu parler des arrangements, hein, mais tant pis, on reprend. Donc voilà, Claude-Joseph, première chose, première remarque. Si tu pouvais accentuer un peu ce côté très charnel, très gore, ce côté vraiment belliqueux, tu vois, qui fait vraiment, je tiens à le dire, hein, une bonne partie de la puissance de ton texte, hein, qui nous a tout de suite beaucoup, beaucoup plu, et ben voilà, ce serait la première chose, hein? Super, super. Oui, j'ajoute Claude-Joseph, tu m'entends? Ouais, ok. J'ajoute que le côté hyper nationaliste, là, tout ce qui est enfant de la patrie, génial. Hein. En ce moment, c'est exactement ce qu'il nous faut. Hein. Pour cet été, ça va faire un tabac. Hein. Puis vraiment, alors, les ennemis sont super. Hein. Mugir, ces féroces soldats, c'est super, super, vraiment. Alors, justement, sur ce verre, ce qu'on voulait dire, c'est que quand même, on a un petit souci, un point, quoi. C'est juste que tes phrases sont un peu pas très claires. Un peu, tu vois? Ouais, un peu bizarre, ouais. Ouais, voilà. Alors que le but, c'est qu'on les mémorise comme ça, tac. Tu vois, que c'est dans l'esprit de tout le monde, tac. Et alors là, franchement, Claude-Joseph, excuse-moi, mais il y a des moments, par exemple, des endroits qui sont, par exemple, un peu, je pense à contre nous de la tyrannie, par exemple. Voilà, ça, c'est quand même bizarre. Hein. Bon, on comprend l'idée, ouais, contre nous, tyrannie, ok. Mais de là, contre nous, de là, tu comprends, toi, Maximilien? Non, pas trop, pas trop, pas trop. Hein, bah non, voilà, on est d'accord. Et alors, le pire, vraiment, Claude-Joseph, le pire, c'est quand même. Attends, alors là, j'ai rien compris du tout. C'était par nos mains enchaînées sous nos joues, le front ploirait. Enfin, par nos mains sous le front, les joues se ploiraient. Là, franchement, tu reconnaîtras que c'est carrément opaque, quoi. Ouais, opaquissime. Hein, voilà, ouais, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joues se ploiraient. Enfin, les mains ploiraient sous les fronts des joues. Enfin, là, franchement, c'est trop, Claude-Joseph. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc, ce qu'on pensait, c'est que ce couplet-là, on pourrait essayer de le. De couper! Ouais, voilà, ouais. Bah voilà, Maximilien, hein, couper, c'est le mot, on vire quoi, on laisse tomber. On raccourcit. Exactement, hein, d'autant que ce que faisait, à juste titre, remarquer Caro, d'ailleurs. Elle est passée où, Caro, bordel? C'est que là, on n'est pas sur les bons standards pour les édits radio. Pas du tout. Hein. Voilà, Claude-Joseph. Hein, et oui, bah oui, vous êtes les poètes, hein, bien sûr, vous êtes dans votre art, vous pensez pas à ça, mais si on leur envoie le morceau tel quel, et bah les radios, c'est simple, à quick, elle coupe. Bah oui, elle aussi, hein, comme Maximilien. Voilà. Bah oui, bah oui, elles volent, hein, n'importe où, et alors là, il sera trop tard pour se plaindre, hein, n'importe où. Liberté, liberté chérie, et paf, Carglass répare, Carglass remplace. Ça te plairait ça? Bah non, nous non plus, hein, crois-moi, hein, l'étendard sanglant, à fond la forme, paf, comme ça, on aurait l'air fin. Donc toi, t'es un artiste, mais nous, on est là pour t'épargner ça. Donc faudrait vraiment que tu nous fasses confiance sur ce coup-là. Ouais. Surtout à Maximilien de Robespierre, hein, qui a vraiment le sens pour raccourcir. Hein, il fait ça très très bien, tu vois. Ouais, fais-moi confiance, Claude Jo. Hein. Je peux t'appeler Claude Jo. Bon, tu vois, Maximilien, il est du genre à tout raccourcir, quoi. Hein, voilà. Mais bon, t'es ok. Super, super. Alors, ce que je voulais dire par contre aussi, c'est que j'ai changé le titre. Ouais. J'ai mis La Marseillaise. Non, parce que franchement. Chant de guerre pour l'armée du Rhin, excuse-moi, mais ça fait pas voyager, franchement. Hein. Alors que là, la Marseillaise, ça fait tout de suite été, on pense pastis, on pense pétanque, et ça fait déjà un hit. Donc voilà, tu sais que le titre, c'est à notre discrétion, hein, le contrat est clair, donc je m'attarde pas. Et puis, on a beaucoup, beaucoup à faire ici, hein, donc bon, Caro, n'est nulle part. Très bien. Je sais pas ce qu'elle fait, hein, donc en un mot, elle veut refaire les arrangements pour un truc moins flûte avec. Voilà. Là, ta version, c'est quand même très, très flûte avec, hein, très, très cheap, quoi. Hein. Et nous, Claude-Joseph, on parie sur toi, faut bien que tu comprennes ça. Hein. Mm. Ouais, on met le paquet, Claude Jo, hein, le paquet. Hein. Ouais, donc on s'est dit avec Caro, on part sur un orchestre type corrida. Ouais. Voilà, cuivre, fonflon, tambour, voilà, et puis on reste sur du provençal, tu vois. Non, puis attends, Claude Joseph, on est en 1795, quoi. C'est fini la flûte avec, c'est has-been.
Donc, oui, Claude Joseph, fais pas l'enfant. Oui, fais-nous confiance, voilà. Ouais, ok, super, super. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, ouais. Ça va être une bombe ce morceau, hein, une bombe. Ouais, on te le dit en confiance, Claude Joseph, nous on vise l'Eurovision avec un truc pareil, hein, vraiment. Hein. Total, ouais. Total, ouais. Marchant, hein, comme tu disais. Ouais, ouais, en marche. Ouais, super, super. Ouais. Eh ben, Claude Joseph, à très vite, hein, alors. Et puis on se tient au courant, ok, plein de bises à Claude. À toi, Claude Joseph, et embrasse Priscilla, surtout. Hein. Ouais, carrément. Profitez bien du Frioul. Bisous, Claude Joseph.